vous avez à la fois la capacité de nous jouer des ruses, d'incorporer beaucoup d'ironie, mais il y a toujours cette honnêteté qui est là. Cette honnêteté, comme vous l'appelez, n'a pas toujours été facile à préserver. J'ai toujours pensé que écrire, c'est quelque part dire la vérité, dire ce qu'on pense sur les gens, sur les problèmes politiques, sur les problèmes sociaux, sur les siens, sur les autres, sur soi-même aussi. Donc finalement, je pense, et je l'ai découvert très tôt, que dire la vérité ne plaît pas à tout le monde. Il y a un proverbe qui dit « toute vérité n'est pas bonne à dire ». Donc quand vous essayez de dire la vérité, de dépeindre les choses et les êtres comme vous les voyez, évidemment vous êtes amené à choquer, à déplaire. Donc depuis mon premier livre, R.M.A. Conan, j'ai eu des problèmes avec le public. Comment lire un livre? Les gens très souvent le disaient au premier degré, ne voyaient pas ce que je voulais vraiment dire au fond. Et souvent, on me faisait le reproche d'être négative, alors qu'en fait, tout ce que je voulais faire, c'était attirer l'attention sur une situation et peut-être, avec un peu de réflexion commune, arriver à trouver une solution. Ségou a été très mal reçu par les Africains parce qu'il y avait une critique contre l'islam. Les derniers rois mages a déplu parce qu'il y avait une critique contre les Noirs américains, Africains-américains. Désirada, une critique contre la société guadeloupéenne, les rapports entre mère et fille. Finalement, je crois que tous les livres que j'ai écrits, d'une manière ou d'une autre, ils ont provoqué une sorte de réaction de défense de certaines catégories de lecteurs. Mais je pense que les lecteurs qui sont sensibles au fait qu'on se cherche et qu'on se cherche sans mensonge, sans faux-semblant, ils ont été finalement séduits par ces livres.